Bonjour à tous, c'est Aurélie. Bienvenue sur ma chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, une séance de yoga, routine matinale. Je vous en dis un peu plus après le jingle. Bienvenue sur ma chaîne, ça me fait très plaisir que vous ayez cliqué sur la vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que le sujet vous intéresse. Vous souhaitez démarrer la journée dans de bonnes conditions, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Je suis là pour vous, je vais vous guider. Vous avez juste besoin d'installer votre tapis dans une pièce au calme, où vous êtes parfaitement, vous vous sentez bien, tout simplement. Vous êtes dans une tenue confortable, en pyjama, c'est très bien, on est à l'aise. Et vous voyez, j'ai pris un petit coussin pour la première posture, la posture en assise. Ça va énormément vous soulager si vous êtes... déjà le matin, on est un petit peu plus raide qu'en journée. Donc, de rehausser la hauteur de votre bassin, ça va vous donner une meilleure posture sur le haut du corps. Et dans les prochaines secondes que l'on va faire, là, on va avoir besoin d'être bien installé. D'accord? On y va? Oui? Posez les mains sur vos cuisses. Et on va respirer calmement. On va se réveiller tout en douceur. Toujours écouter ce calme. Peut-être des bruits vont arriver à vos oreilles, les bruits qui vous entourent. Et le bruit de votre respiration. Vos paupières sont fermées et votre visage est parfaitement détendu. Esquissez un joli sourire sur vos lèvres. Soyez heureux d'être ici maintenant, à l'écoute de vos sensations. La colonne est étirée de la racine jusqu'au sommet de mon crâne. Mes épaules légèrement tournées vers l'arrière, ma poitrine bien ouverte. Je relâche mes jambes, sentant le poids de mon corps, du bas du corps bien ancré à la terre. Et ma colonne est étirée jusqu'au sommet de mon crâne vers le ciel. Mon ventre est actif à chacune de mes respirations. Et je porte une attention à ce souffle. La fluidité de ce souffle qui va me permettre de laisser l'énergie circuler librement dans mon corps. Je vais pencher légèrement la tête vers l'avant, me recentrer une dernière fois. Inspirez, expirez, levez la tête, ouvrez les paupières, regardez le plafond. Plusieurs fois ce même mouvement, on rentre le menton vers la poitrine. Et on redresse la tête. Penchez-la doucement vers l'arrière, le menton vers le ciel, sentez l'étirement dans la gorge. Et on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Mais vous êtes prêts pour ça. On va pencher la tête en arrière, ouvrir la bouche et sortir la langue. On revient, bouche fermée. On lève la tête, on ouvre la bouche, on sort la langue. On revient au centre, très bien. Vous allez pencher la tête vers la droite, rapprochant votre oreille près de votre épaule, les épaules sont basses. Et de l'autre côté. Je reviens au centre, je pose les mains ici sur mes genoux et avec le buste, je vais faire quelques petits mouvements circulaires sans chercher à faire quelque chose de particulièrement joli. Juste de se mettre en mouvement doucement. Regarde, quand je pars en arrière, mes genoux ne touchent plus le sol. Je penche en avant, mes fesses quittent légèrement l'appui sur le coussin. Si tu es à l'aise, tu peux enlever peut-être le coussin de tes fesses et continuer ces mouvements circulaires avec fluidité.
épaules partent vers l'avant, la tête frôle le sol. En arrière, main sur les genoux, on change de sens. Très bien, super. Voilà, cherchez juste à être en mouvement, sentir cette fluidité. Voilà, si tu as besoin de te recentrer, de fermer les yeux, regarde ma tête bouge. Doucement. Je reviens au centre, je retrouve la verticalité, je remets ma chevelure en place. Je vais poser ma main droite sur le sol, étirer mon bras gauche en arrondi juste au-dessus de la tête. J'essaie d'avoir les hanches parfaitement alignées, mon aisselle bien ouverte. Je regarde sous mon bras. Et je change la main gauche sur le sol. Mon avant-bras va peut-être être en appui. Ou pas, c'est pas grave. Ok, cherche la fluidité. Regarde sous ton aisselle, ouvre la poitrine. Ne penche pas trop vers l'arrière. Et on repart encore une fois à droite. Laisse glisser, arrondi. Ne lève pas le genou. Reste ancré à la terre. Et de l'autre côté, sens combien ça fait du bien dans la taille. Et sens cette nuance. Côté droit, côté gauche, reste à l'écoute. Reviens au centre. Très bien, tu vas glisser les mains à l'avant. À l'avant. Relâchez ta tête, relâche ton buste. La fluidité dans la respiration qui va permettre à tes muscles de se relâcher. Jusqu'au bout de tes expirations. On décale légèrement les bras vers la droite. Accentue l'étirement du côté gauche de ton dos. En essayant de glisser la main gauche un peu plus à l'avant. Quelques millimètres. On repasse par le centre, on fait la même chose côté gauche. Et on met la main droite un peu plus à l'avant. Très bien, revenez au centre. Et déroulez votre dos, la tête en dernier. Ok, on a besoin de changer le croisement des jambes. Donc mets l'autre jambe au-dessus, en avant. Ok, peut-être que tu seras moins confortable parce que tu as naturellement placé la position la plus confortable au départ. Donc voilà, ce côté-ci pour moi, il est plus sensible. Mais je peux réajuster hein, de nouveau en plaçant des petits supports. Si tu as des briques de yoga, etc. Petit coussin, petite serviette, petite couverture. Grandis-toi, penche sur le côté. On refait exactement la même chose. Fluidité dans le mouvement. Allez, on incline. Garde ton visage parfaitement détendu. Tu es en train de te faire du bien. Donc ne reste pas sur un visage sous tension. C'est le matin, on démarre sa journée. Voilà, avec cette petite routine. Corps en mouvement, respiration. Reviens au centre, allonge les bras loin devant. Là où tu sens de la tension, amène-y du souffle et de la bienveillance, de l'amour. On a le droit de s'aimer. Et surtout s'aimer. J'étire mes bras sur le côté. Et de l'autre côté. Placement des bras. Le bras gauche un peu plus à l'avant quand ton corps est incliné vers la droite. Et on inverse. Je reviens sur le centre.
relâche la tête et déroule le dos. Redresse-toi. Ok, super. On resserre un petit peu les genoux, décroiser les jambes et basculer de droite à gauche. Très bien, on vient se mettre ici en position à quatre pattes. Posture du chat, le dos est rond. Le dos est cambré à l'inspire. Le dos est rond, j'expire. Le dos est cambré, je sors la tête, j'inspire. Et de plus en plus vite. Reste en dos rond, dépose tes fesses sur les talons. Mets les mains un peu plus à l'avant de ton tapis. Pose tes cuisses, ton ventre sur tes cuisses. À l'inspire suivante, reviens à quatre pattes. Tu vas crocheter les orteils sur le tapis, monter les fesses, petit chien tête en bas, en marchant un petit peu, d'accord? On va activer ici les chevilles. Le matin, c'est un peu raide. Donc on marche sur place, tout en poussant le coccyx vers le plafond, en étirant le dos. Regardez vos genoux. Ok, accentuez un instant sur une extension ici sur la jambe gauche, puis après sur la jambe droite. Décolle les deux talons, lève, 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 et ensuite redescend vers le sol. Donc selon la souplesse de tes chevilles, il y en a qui pourront poser les talons sur le sol. Moi j'y arrive souvent en fin de séance, mais pas en début de séance. Ok, comme une vague, je viens m'installer dans un gainage pour réveiller mon centre, les épaules au-dessus des poignets. Je pose genou droit, j'étire ma jambe gauche à l'arrière. Ok, mon bras droit à l'avant. Rentrez le ventre, posez les mains, la main, le genou, faites la même chose de l'autre côté. Sans me tasser, repousse, repousse, repousse. Ok, reviens, posez les genoux, pose les fesses sur les talons, balaye le sol, inspire, grandis-toi. Pose les deux mains, l'une sur l'autre, descends main au cœur, rétroverse ton bassin et respire. Allonge ta colonne vertébrale, tu vas mettre les mains à l'arrière. Ok, tu vas lever les fesses, ouvrir le cœur, vous allez en avoir besoin. Pour la journée, pour accueillir toutes les ondes positives. Ok, reposez les fesses, remontez doucement, posez les mains sur les jambes, redressez, regardez à l'horizon, soyez fiers de vous. Petit enroulé sur les épaules, ok, à droite, bien une petite torsion, à gauche, petite torsion, bien. Ok, revenez au centre, revenez face à moi. Face à moi. Ok, on revient en position Sukhasana, la position du tailleur. Voilà, petite routine très simple. On aurait pu en faire davantage, mais démarrer par ça déjà, on chauffe les articulations, on prend conscience de sa respiration, on a une intention positive dès la première posture. Ça fait énormément de bien. Il y a une routine aussi que je pratique au quotidien qui est disponible ici en lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, vous allez recevoir ça dans votre boîte mail. C'est une autre façon de démarrer sa journée avec une petite salutation au soleil qui fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir hein, quand les copines peuvent aussi en profiter. Si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez voir un peu plus spécifiquement, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est français, avec plaisir. Ok, on se voit bientôt, la semaine prochaine. Merci à tous, à très vite, bye.